Après la province de l'Estuaire et celle du Haut-Ogooué, l'avenue Jean-Paul II de Libreville a été investie pour cette troisième journée du festival Gabon-Neuf Provence par les troupes culturelles de la province du Moyen-Ogooué. Un espace a également été aménagé pour l'expression culturelle des enfants. Un espace où la danse était le maître mot. Le festival culturel Gabon-Neuf Provence se veut être le porte-voix de la culture gabonaise sur le plan national et international. Une voix déjà bien reçue par la jeunesse gabonaise, en témoigne la petite Yanel. Je suis venue danser la danse des fonds. Alicia, tu m'étais. Si Yanel et d'autres enfants comme elle s'adonnent à la danse, d'autres par contre profitent de l'espace pour s'amuser et assister au spectacle. Je suis venue pour danser sur le podium et aller voir les danses culturelles. Je suis venue pour jouer, m'amuser avec mes frères et mes sœurs. Au sein de cet espace dénommé Bana Mpougou, les enfants du village en langue teke et obamba, les tout-petits ont l'opportunité d'esquisser des pas de danse et ainsi s'approprier, dès le bas âge, les valeurs de la culture gabonaise.